nugget. Non, président Palace, nous devons la présence pour le ministre, M. Joseph Dupuy. Musique. Oui, oui. Thank you.
Maître Brook, c'est pas seulement mon mentor. Si je suis un disciple du Christ, un apologète de la foi chrétienne, je suis un disciple de Gérard Brook qui est mon mentor. Cet homme a marqué toute ma vie depuis l'âge de 19 ans comme étudiant. Et comme à l'époque, on pouvait fréquenter plusieurs facultés en même temps, on était dans trois facultés. Et dans tous les trois facultés, ça a été remarqué, moi dans droit, moi dans ethnologie, moi dans haute études internationale, et puis je suis auditeur dans quatrième à l'école normale supérieure. Donc révolution cubaine. Elle m'a présenté, c'était à haute études internationale. Alors, il y a une erreur qui est commencée en 1973, en septembre 73. Le 21 septembre 73, m'a présenté moi dans faculté de droit. Le conflit israélo-arabe et l'avenir de la paix internationale, mais en première rangée c'est pour tous les professeurs de la faculté et les aménages moins des maîtres pour mademoiselle Yannick Collin. Et moi je prends le parti le lendemain matin, 22 septembre, moi je fais maîtrise aux États-Unis à Wheaton Graduate School. Mais pendant Wheaton, m'a écrit mémoire et puis je viens en vacances. 76, mal soutenu la haute étude internationale. Et puis, je retourne à 8 ans encore pour continuer le programme. Maintenant, dans tous les trois facultés de SAO, je rencontre Gérard Brook. Et cet homme m'a marqué. Comme moi, son équipe a toujours aimé belle prédication et aimé belle poésie. Donc, la verve de Gérard Brook m'a toujours séduit. Et puis, il m'a adopté effectivement comme un étudiant. Alors, comme un étudiant spécial, je l'ai dit. J'aime l'éthologie, j'aime la haute étude nationale, j'aime le droit, j'aime. Et décider d'aligner le comportement sur carrière, façon que ça fait, etc. Et puis, effectivement, il m'a accompagné dans les moments d'étudiant, comme mentor, comme professeur. Maintenant, je suis devenu avocat, il est au barreau. Le premier procès de ma carrière que je plaidais, c'était entre 13, 15 et 16 décembre 1978. Moi, j'ai seulement quelques mois au barreau de Port-au-Prince. Et qui est-ce qui m'accompagne dans ce procès? C'était un ami du président, il est Louis Robert Mackenzie, qui était ambassadeur au Brésil. Et puis, il y a l'ambassadeur Amoury, ambassadeur Pierre-Louis Amoury, et il dit c'est lui-même qui était payé tué. Et je suis l'avocat de Louis Robert Mackenzie, qui était un ami de collège, un ami d'enfance du président de la République. Mal défendu,
Mais c'était mon premier procès criminel. Le premier personnage vers qui je me suis tourné pour aller, vers lui pour lui dire de m'aider, c'est M. Durand. Il laisse à tout, il y a à côté de moi, M. Gervais, il y a M. Jean Noël, et moi-même là. C'est au cours de ce procès que M. Durand a lancé cette phrase que les avocats ont répétée par la suite. Si la vérité est dans un puits, nous y descendrons pour la mettre au dehors. Il m'a marqué dans ce procès. Nous avons gagné vers 4 ou 5 heures du matin. Nous avons été libérés de Robert Mackenzie vers 7 heures. À 9 heures, Manassé Soulier et puis marié à 5 heures du soir. Donc 16 décembre 1978, c'est une date qui doublement marque moi mon premier procès criminel que j'ai gagné avec à mes côtés mon mentor, mon maître, M. Durand-Bourg. Et vers 10h, je suis souillé pour mal marier. À 6h du soir, je suis marié avec une demoiselle, ma fiancée. Donc, elle m'a présenté mémoire, M. Durand-Bourg en première ligne. Elle m'a présenté deuxième mémoire mon d'études. Il est toujours là en première ligne. Et elle m'a prêté serment. Il était là. Elle m'a fait premier. Donc, c'est mentor. Premier poste. C'est plus que mentor. C'est un modèle. C'est mon mentor. C'est mon maître. Cher, pas qu'on est, mais bon, bagaille qui fait que je la parler ou écouter le soutien ou écouter le parler, et puis il y a la logique, le bon sens. Lorsque en 2010, moi plaidé pour c'est Jude Célestin, je pas préparé, je prends note et je plaidé. Je parle pendant 1h20. Je n'ai pas fini de parler, téléphone dans son nez. Il dit mon fils, Osner. Il dit, maître, tu peux mourir ce soir, quand tu as dépassé Démosthène, Dieu, tu as dépassé Rigal, tu as dépassé et Vincent, tu as dépassé les autres. Je suis fier de toi, fiston. Et j'ai senti l'émotion dans sa voix. Il dit, maître, c'est une consécration t'entendre parler comme ça. Tu le mérites, mon fils. Ouh, je suis fier de toi. Ok, allez, embrasse Yannick pour moi. C'était les propos de Maître Durand-Bourg. Et il dit, tu dois faire un livre. Tu dois faire un livre avec ça. Et effectivement, moi, j'ai écrit un livre que brûlé. Monsieur le Président, je demande la parole. Et là-dedans, moi, j'ai retracé tout le procès et me dédié à mon mentor et maître, M. Durand-Bourg. Merci, M. Durand-Bourg. C'est à moi de vous remercier et de me présenter encore ces baptêmes à tout le monde qui est touché. Je m'excuse. À tout le monde qui est touché. Je suis le fils de Léon Zio. Je dois parler. Merci. Je suis le fils de Léon Zio. Alors, on met les. C'est un avocat qui a un minéage. Et ça m'a empêché M. Gaston, qui va côté de moi la capacité. Il va gagner l'âge M. Février, mais Gaston peut dire aussi. Pourquoi va gagner l'âge M. Février? Alors, tout est battu. Et on est dans un chemin, dans un domaine. Et donc, quel est M. Gaston? Je dis à qui veut aller quitter nous. Pour sortir. En prenant avec notre boucle, c'était le dernier. Nous avons des relations qui étaient extrêmement profondes. Et je vais vous donner des exemples. En tout cas, les relations avec notre boucle, ils remontaient plus ou moins aux années 2000-2002. Et à l'époque, moi, j'ai fondé une région d'avocats avec un groupe d'avocats. Et maintenant, nous avons commencé à faire des cours pour nous. Et par la suite, la relation continue de renforcer. Et le ministre de l'Intérieur de l'Ordre, pratiquement toute activité que nous avons fait à Bahoua, nous sommes toujours associés. Et moi-même, je suis toujours en rapport avec eux. Mais une chose qui est surtout marquée avec notre groupe, c'est lorsque nous venons battre. Je vais vous dire que c'est un grand parti grâce à conseil qui m'a dit que c'est un grand parti 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 qui m'a dit que
Gaston, voilà tête du barreau, ne t'occupe pas de ces gens, ne t'occupe pas de la politique, concentrez-vous sur tout ça qui est capable de permettre que Barreau retrouve l'aide de noblesse, le rayonnement. C'est comme de fait, nous sommes sur le conseil de cours, et l'enfer est vraiment situation d'unité, qui a passé dans la politique de l'IA, pour dire qu'on a pu mettre cours, il était un précurseur, il était un visionnaire, des bagages que nous pouvons voir. Il y a pratiquement 6-7 ans avant de quitter le monde. Merci, monsieur. Alors, Romel, en guise de conclusion, hein? En guise de conclusion, c'est Grégory, réalisateur de l'IA. Si j'ai décidé de faire ça là, je m'en dis merci à tous les amis qui ont fait ça. Radio Télé Caraïbes, venu là. Internautes surtout, hein? Et c'est ton. Son dernier collaboration, mon premier avant. Non, son, c'est le commencement de toute une série. Oui, Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il est très jovial, c'est un coquin intellectuel. Moi, on travaille sur le problème des enfants ici en Haïti, de l'école juvénile. Là, ça. Puis, extrêmement important, Maître Bourg est très sérieux parce qu'il travaille sur le moelle, il quitte les batailles pour le pays. C'est une façon de vivre, un discours, un mode de vie, et il manque de vie. Parce que il est avocat, il est dans la société. Il va forcément se droit. Il s'en a dit à des modèles dans le pays. Il y a des modèles. Mon modèle, il y a lui. Donc, il va nous faire un effort pour nous joindre le monde pour remplacer le monde. Parce que Maître Gérard, je crois que la radio pour les Caraïbes, nous avons une raison pour nous travailler ça, pour nous présenter un modèle ça qui va disparaître. Là, que nous avons besoin pour nous continuer à suivre, même Jean, même Gaston, même Février, l'autre, Teddy, je veux dire. Merci, à la prochaine. Voilà, téléspectateurs, internautes, Radio Télévision Caraïbes, nous-mêmes qui t'avons suivi Vende Laïsa, nous-mêmes surtout qui sont internet là, nous-mêmes qui l'accueillent nous. Merci pour fidélité dans la Télévision Caraïbes et surtout en Vende Live qui était possible grâce à la collaboration toute équipe là. Tu as gagné pour présentation Romel Pierre et puis tu as gagné Ronald Aol Jean, Dalmir, Pedro Junior Saint-Ange, Junior Ferdinand. Et qui peut mettre nos vidéos live, quel que soit à côté nous, et non pas, c'est Grégory Jean-Philippe, qui a dit nous l'autre fois. Merci pour fidélité, restez branchés Télévision Caraïbes pour cette programmation, et à très bientôt pour l'autre 22 live.